Et salut toi Tom, mais surtout toi derrière ton écran, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je parlais super vite parce que je suis super content. Regardez ça. Regardez. Enfin un chiffre à 4. Ça fait super plaisir. Oui, j'aimerais vous remercier et remercier particulièrement Auré. Donc bah, sa chaîne sera dans la description parce que c'est lui qui m'a fait monter autant d'abonnés comme ça. Bref. Aujourd'hui, bah, cette vidéo, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, bah, YouTube... Non, je vais pas faire une vidéo YouTube va mal chez... Non. Je vais faire une vidéo assez originale que j'ai pas trouvée sur YouTube où on va voir les tendances des autres. Là, par exemple, vous voyez la tendance française. Bon, je vous apprends rien. Vous connaissez cet onglet. Mais si je descends tout en bas après toutes les vidéos, il y a ça, ces 4 trucs, enfin c'est 5. Aujourd'hui, c'est celui-là qui va nous intéresser étant donné qu'on va changer bah, notre zone géographique pour aller voir les tendances d'autres pays. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'Allemagne? J'ai pas encore regardé, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, sur l'Allemagne, on a des vidéos pas pornographiques, mais disons, ma foi, assez... tu m'as compris, quoi. Bref, c'est pas porno, mais c'est assez sexy, voilà. Il y a quelques trucs Pokémon... Il y a quelques trucs Pokémon, quelques trucs IRL de filles, du vieux vidéo... Ouais, du Minecraft, ouais, y a surtout beaucoup de trucs comme ça, des Minecraft et tout, des trailers, enfin, il y a... Ouais, donc du coup, on passe tout de suite en Italie. Alors, en Italie, qu'est-ce qu'on a? On a quelques vlogs, quelques trucs Minecraft, des challenges, du Clash Royale, ouais, du Clash Royale, quelques un petit peu de GTA... Du Pixelmon, ouais, il y a quelques vidéos qui sont dans toutes les tendances, du Pixelmon, beaucoup de Minecraft, énormément de Minecraft en Italie, à croire que bah il y a que ça en Italie, hein, que du Minecraft et du Clash Royale. Du coup, on passe tout de suite dans un pays qui me tient vraiment à cœur, j'adore les gens qui habitent là-bas, on passe en... Espagne. Alors, en Espagne, j'adore ce pays, donc comme je l'ai dit... Je m'attends à voir bah, pas de Minecraft Challenge, plus du foot, voilà, du FIFA, un peu de Clash Royale. Et je pense aussi énormément de Minecraft. Je pense. Il y a quelques vidéos IRL, enfin même quasiment que des vidéos IRL, du Clash Royale. On sait pas. Voilà quoi, c'est pas. Voilà, des trucs comme ça, des trucs bah, qu'il y a partout. Et donc du coup, on passe tout de suite au Portugal. Alors au Portugal, ils ont fait un truc très original. Un YouTube Rewind pour leur pays à eux. Et ça, et bah j'achète. Et bah ouais, j'achète. Il faudrait des bonnes idées comme ça en France. Pour faire évoluer les tendances. Bon, d'accord, j'arrête de crier parce que je vous casse les oreilles. En plus, j'ai eu mon nouveau micro du putaclic. Ouais, pas mal de... Comment dire? Pas de putaclic. On va dire du aguicheur, voilà. Pour pas que certains disent « Ah non, c'est toi, t'es titrice au putaclic ou je sais pas quoi. » Non. Ok. Stop. On passe tout de suite en Grande-Bretagne, même si bah il n'y a pas de Grande-Bretagne, en fait c'est que les États-Unis. RT Citrus, vous êtes oubliés les Anglais, les British. Alors ces deux vidéos là sont quasiment dans toutes les tendances. Il y a un peu de box style, des forums. Ah, j'aime pas trop ce que ça devient les tendances. Et en plus, la plupart du temps, ce qui est aux États-Unis, ça vient en France. J'aime pas trop beaucoup ça, moi. Ouais.
Ouais, il y a des trucs. Ouais, des armes, des vidéos RL. Ça parle de Princesse Leia parce qu'elle est morte. Ouais, Nerf. Ouais, c'est pas top, 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 quoi. Donc, ouais, je regarde un petit peu la. Bah, la semaine, parce que ça m'intéresse un peu. Vous pouvez faire ça chez vous, hein. Du moment que vous avez un PC, vous avez YouTube, vous pouvez faire ça, c'est super facile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous likez, si ce n'est pas le cas, vous pouvez disliker, oui, je dis bien ça, étant donné que moi, je fais la différence, contrairement à certains youtubeurs, entre les haters et les gens qui n'aiment pas. C'est pas pareil. Les haters, c'est ceux qui vont mettre des commentaires méchants de type « Nique ta mère, fils de pute ». Alors que quelqu'un qui n'aime pas, il va mettre un commentaire « Ouais, j'ai pas trop aimé, car… » Non, non, non. Ça, tu vois, je dirais même que j'incite les gens à mettre des pouces rouges. Tu vois? J'incite. Et c'est la première fois que vous entendez un youtubeur dire ça. Mais j'incite les gens à mettre des pouces rouges si les vidéos ne leur plaisent pas. Hein, c'est, faut pas mettre des pouces rouges parce que vous aimez bien le youtubeur. Non, ne faites pas ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, partager et commenter. Commenter, tous les commentaires me font super plaisir, sauf les insultes, bien sûr. Mais bon, c'est rien contre tous les commentaires gentils que vous m'envoyez. Franchement, je vous adore, les nobles. Voilà, moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. J'ai une toute petite absence sur YouTube de quelques jours, étant donné qu'il y a eu les fêtes, j'ai dû me lever parce que je prenais le train. Bon, c'est pas grave, vous vous en fichez un peu. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye. Salut tout le monde, bye bye les kings.